grand.cap dominé actualité. Actualité ici aux États-Unis, autorités ouvrent une enquête rapide après effondrement plus gros pont dans Baltimore, dans l'État Maryland, côté secouriste continue à chercher cadavre 6 personnes qui t'a présumé mourir. Haïti, plus passé 170 Français et 70 étrangers qui étaient payés grâce à vol par hélicoptère armée française qui assurait opération évacuation ça. Et puis toujours dans le pays d'Haïti, 17 présumés bandits perdu la vie dans diverses opérations la police menée dans environ 30 jours qui se passent là. Yo. Pas développer pour dans un petit moment au sous VOA créole. Donc depuis hier, eh ben autorité déjà où. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de qui est et qui écoute ou attendez et puis regardez en même temps vidéo ça. Et l'autre fois encore Abdou, bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo de formation que nous portons pour aujourd'hui. Côté nous porter vidéo spéciale ça pour avec yon édition La Voix de l'Amérique, côté nous va faire connaître toute information qui a passé à Haïti avec dans tout le reste du monde là. Mais parmi pour ça, on a ajouté pour faire connaître Fédération protestant haïtien, yon même yon pas d'accord avec conseil 9 membres qui t'a gagné pour diriger pays d'Haïti. La police dans la République dominicaine a arrêté vice-consul dominicain qui travaille en Haïti, qui nous t'ébaou détail que lui-même lui t'a gagné mandat d'arrêt de yel. Yon représentant américain qui c'est Maxwell lui-même mandé accord jodi à la. Pour l'administration Biden, nan li même li prolonger TPS pour haïtiens qui vivent de l'autre bord. États-Unis, Donald Trump li même li a cherché yon l'autre source pour le capable faire comme, eh bien, li arrivé publier yon bible qui vaut $60 américains. D'après l'ONU, sorti janvier 2024 pour arriver 22 mars 2024, la bandi yo déjà touye 1554 moun. Pour ça, un pilote que nous côté pour vous. Mais pas oublier abonner avec channel là et toujours activer la cloche notification pour là pour pas rater aucun vidéo. Et pas oublier quitter un like tout sous vidéo. C'est une façon que vous capable montrer que vous appréciez le travail que nous même n'a fait. Pas oublier partager vidéo à tout avec yon ami, yon famille, yon façon pour capable aider nous grandir communauté channel là. Nous pas perdre trop de temps et bien nous voilà directement dans l'édition La Voix de l'Amérique. Ça n'a pas tourné pour devant pour être rapide sous effondrement gros pont Baltimore ça n'a Maryland côté 6 moun t'a présumé perdu la vie. Grand pile autorité qui déjà prend la parole sous question. Nous pas rejoindre gentil Augustin Junior. Yon Joe dispatch urgence, te gen tan lanse appel radio, le yo te suspect bateau wa te perdi contrôle, yon façon pour te limiter des gars yo. Malgré ça, 6 travailleurs parmi 8 moun qui te sous pont disparaît. Et qui peut-être mourir, c'est long déclaration autorité Maryland yo. Pendant ce temps, secouristes yo continuer à chercher. They were family members. Moun qui disparaît yo, te même famille. Yo te frère. Yo te cousin, yo te petit garçon. Et puis, gagne chance passe temps avec mon famille yo qui te songe yo. Pas seulement comme moun kap travay di, sou yon bagay qui très important pour succès ak fierté à long terme nous comme yon ville ak état, mais c'est mon famille yo qui nan la peine. Gouverneur Maryland nan, Westmore, te parle mardi 26 mars la, sou défi yo devant effondrement pont sans pareil qui kite 6 travailleurs disparaître et qui t'a semblé mourir. Mort te noté nati unique tragédie et puis li te voyer condoléances li bay moun ki affecté yo. Bato cargo Dali qui impliqué dans effondrement pont Baltimore, te gen société classification valable ak certificat légal sous intégrité et structure liyo ak fonctionnalité équipement nan moment incident. Maritime and Port Authority nan Singapour di jodi mercredi 24 mars la. Nan yon déclaration, li te di ke Dali te passé tout de inspection état pour étrangers séparés nan mois juin ak septembre année passée. Gouvernement te mandé pour yon évaluation approfondie ak renforcement bien maritime ak train état pour assurer Maryland ka yon exemple national pour sécurité et efficacité. Secouristes ont été retirés des 6 vivants en sécurité. Yon nan yo te éternel l'hôpital. 6 vivants yo ak 6 qui manke yo te fait partie yon équipe travail qui t'a rempli trou sous surface route pont. Amiral Gatcote la, Shannon Gilruff, te déclaré que pas gen espoir pour joindre travailleurs qui disparaît yo vivant à cause de l'eau glacée. Et puis quantité de temps qu'a passé depuis accident. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. T'as qu'on nous capable et autorité yo accorder en pile attention avec incident ça parce que d'une part les gagnent un paquet de conséquences économiques. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire. Yon bateau cargo perdit courant et puis frappé yon gros pont dans ville Baltimore en dehors Washington bonheur mardi matin. Collision hein, détruit pont hein, dans un espace quelques secondes seulement et puis fait le plonger descendre dans yon rivière. Destruction pont hein, t'as capable causer problème pendant plusieurs mois parce que les traversées ont route maritime qui essentielle pour les États-Unis. Il y a 6 moun qui potaient disparaître et yon présumé yon mouri. Autorité yon recommencé chercher yon mercredi matin. Alex Sordo, c'est un commerçant local dans Baltimore. I've lived here for 20 years.
Never had any problems. Je dis, m'a vivi ici depuis 20 ans et moi pas jamais gain problème. Franchement, c'est un bagage qui bizarre. Moi t'es sur point à 6h30 hier soir et aujourd'hui, mon budget prend l'autre route à cause li pas là encore. On peut pas digérer nouvelle ça. Destruction pont, la cause bateau à camion aux alentours, yon n'a pas qui gagne plus activité sous côte Est États-Unis, obligé chercher route alternative kounyen. Ça causé en pile délai et puis augmentation prix marchandises cap sorti tout partout dans le monde là. Mark Conway, c'est membre conseil ville Baltimore. Well, the Baltimore port is one of the largest ports in the nation. Il dit pas Baltimore, c'est une des plus gros ports de la nation. Il bat l'économie régionale là, gros j'arrête. Il joue un rôle important dans le commerce global là. Professeur Amy David, c'est un expert en business qui travaille dans l'université Purdue. Il explique qui genre destruction pont Baltimore là pour affecter provision marchandises globale. Due to the bridge collapse in Baltimore, we don't know yet exactly how long the port will be closed. Mais ils ne peuvent pas connaître combien de temps pour après le fermer à cause pour qui crasé. Mais certainement, pont pas fonctionner pendant un bon période de temps et ça va impacter marchandises qui disponibles sur marché global là. Baltimore pas une un plus gros port sous côte est là, mais il est spécial parce que il y a pile machine avec camion qui livrait Baltimore. Professeur David dit ça qu'à la cause livraison machine qui a sorti en Europe et au Moyen-Orient traîné qui donc dit là yo pas bien autant machines disponibles. Puis au vent. Pendant ce temps, Moon Baltimore gagne qu'à sauter pour Jean Sapral affecter l'agent dans Pochio. The Beltway is going to be down for 4 years. But the main thing they got to do right now is get that shipping channel open. Il dit autoroute là a peut-être chargé pendant 4 ans. Mais principal bagaille la première, c'est nous l'ouvrir port maritime non, parce que sinon c'est Baltimore ou à punir. Bateau croisière, équipement lourd, construction Caterpillar, passé par ici. Mercedes-Benz, charbon. Yo pral voyer non pas Philadelphie ou bien peut-être New York punir. Mais Baltimore déjà perdu un paquet de gros business. Nous c'est une ville américaine. C'est comme ça nous fait l'argent nous, pour Baltimore là. PDG compagnie qui relève Flexport, qui gère provisions qui sont disponibles sur le marché global là, dit accident pral gen gros répercussions et que Américains yo ta dwe attendre à ce que ap gagnen raté produit. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Fondi gen et ministre transport Pete Buttigieg et fait rencontrer avec la presse qui fait connaître que eh ben autorité a fait tout ça capable pour capable eh ben remettre eh ben transport en commun dans zone là eh ben sous pied une autre fois encore. Pendant ce temps autorité américaine yo même à Paris pour accueillir une caravane immigrants qui sorti dans Amérique latine. Et Jean-Aubert a suivi de près pour nous, il dit nous que caravane ça démarré dans un moment gen état Texas qui n'a conflit avec gouvernement fédéral sur une nouvelle loi pour arrêter immigrants et suspects qui t'a entré dans pays là illégalement Jean-Aubert. Effectivement, Jacques Léondia, et en plus de conflits État Texas avec le gouvernement fédéral, le gouvernement américain n'a pas de parler tout. Là, après une nouvelle, départ de nouveau caravane, eh bien, il a exprimé inquiétude. Dans le moment caravane, il a mis des têtes la caillou, avec espoir, il espère que l'autorité mexicaine, d'après l'entente que vous avez fait avec eux, il a fait tout effort pour être capable de bloquer et empêcher les immigrants de arriver dans la destination finale, qui est sous frontière pays à partager avec le Mexique. Une caravane immigrant latino avec l'autre pays sur route pour frontière États-Unis partagée avec Mexique depuis lundi 25 mars là. Caravane ça parmi plusieurs autres arrivé après coup suprême États-Unis accepté loi Texas SB4 là entrée en application. Loi permet force de l'ordre état Texas arrêter moun yo ta suspect qui rentrer sur territoire américain illégalement. Repudiamos y le pedimos a la comunidad latina a través de los medios Luis García Villagrán, un militant qui défend immigrants yo voyez j'étais bien loin loi immigration SB4 Texas là. Nous mandé communauté latino yo à travers média yo pour voter contre gouverneur Greg Abbott à cause politique raciste et illégale l'a appliqué. Caravane a démarré dans Tapachula et Tachapas à Kispoa, il a rentré aux États-Unis pour demander asile. Immigrants ont considéré Tapachula comme une prison d'ouvri qui est difficile pour joindre des documents pour être capable de continuer le voyage là. Pour l'inspiration et la force, le motif et la gana de llegar à los Estados Unidos para ver a mis hijos crecer. Jesús Enrique Esporas, un immigrant vénézuélien, déclaré « Mon inspiration, mon motivation et volonté pour m'arriver aux États-Unis, une façon pour moi, si mon yo a grandi, pour me capable de tout ça au besoin, bagay qui est impossible, yo pas besoin au Venezuela. » Dans le temps qui passe, plusieurs caravanes qui démarraient dans Tapachula, tout près frontière Mexique partagée avec Guatemala, crasées en route pour plusieurs raisons. Découragement ou bien autorité mexicaine pour mettre des documents légaux si vous abandonnez l'initiative là. Antonio Peña, immigrant, soutenant Honduras, déclaré, nous cherchons une alternative légale, mais un peu de monde choisit de traverser frontière illégalement. Nous mettons sous pied caravane pour nous lever sur frontière pacifiquement, pour nous capables de demander aux autorités américaines de permettre nous d'entrer aux États-Unis légalement.
gouvernement. Dans le mois qui passe, l'administration américaine a participé dans plusieurs rencontres avec l'autorité mexicaine, une façon pour demander plus de contrôle sur la quantité de migrants qui ont traversé le territoire mexicain pour venir demander asile aux États-Unis. Mexique, États-Unis et Guatemala même mettre sous pied une plateforme pour une meilleure façon pour contrôler le flot d'immigrants qui ont sorti dans Guatemala pour entrer au Mexique avant de mettre tête sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, n'apprêtez toujours dans le domaine immigration côté et organisation Justice Action Center. Bat bravo pour un juge fédéral Texas qui prend une décision pour trancher en faveur moun qui dans programme Humanitarian Power là, ça veut le programme Biden là pour appliquer pour TPS. Plus détails avec Luxon Saint-Ville depuis Floride. Pour Justice Action Center, décision juge Texas là pour le programme Biden là qui a continué, c'est une véritable victoire pour bénéficier quatre pays parmi eux Haïti. À travers visioconférence, VOA Creole t'a parlé avec Vanessa Rivas Bernardi. Qui s'est conseillé organisation. This is a victory for the seven. OK, donc ça c'est une grande décision pour septième intervenant que et dans procès que nous gagnons tribunal là. Ça c'est quand pour on victoire tout pour millions moun yo qui a cherché sponsorisation ou bien qui déjà sponsorisé à travers programme là. C'est vous organisation content pour décision ça, mais on dit a pensé tout à bénéficier haïtien qui confirmé qui gagne autorisation dans mayo et qui pas qu'à voyager à cause pas gain vol en Haïti. Vanessa mande moun sa yo pour chercher un gens pour joindre une prolongation. Pour yoka, pas perdre avantage ça. Donc ça nous a suggéré, moun qui n'a situé situation sa yo, notamment de yo contacter un avocat pour yon, comme yo ka aide yo, option des possibilités qui disponibles. In this particular situation. Et pour moun qui déjà aux États-Unis yo, Justice Action Center souhaite administration Biden nan, envisager l'autre possibilité qui ka permettre yo rete vivre sous territoire. Conseiller Estritissa a cité par exemple TPS avec Wee Powell, yon processus qui ka permettre yon bénéficier, réappliquer pour yon l'autre période de l'année. TPS is certainly also a very important. TPS là tout, ils sont bon ouverture pour individus sa yo. Après, on a les différents, dans différentes façons. Oui, mais tous deux, c'est deux outils qui sont importants pour moun yon ka venir aux États-Unis et puis pour yon résider par bon ici plateau. Ensemble avec Patnel Yo, Justice Action Center, quoi programme ça, c'est une voie clé qui permet aux migrants ici qui courent pour violence dans le pays. Ils vivent légalement sous territoire américain. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Vous souvrez VOA Creole, observez un programme en langue créole haïtien. Actualité concernant le pays d'Haïti, surtout avec Libération Scholzer Chancy. Oui, actualité concernant le pays d'Haïti. Nous allons aller d'abord dans Port-au-Prince avec nouvelle libération. Président Chambre député Scholzer Chancy et Massado Vilmé, depuis Port-au-Prince. La déclaration le fait après libération, ancien président Chambre député Scholzer Chancy dit des mois le passé dans la prison pour arrêter sa conséquence sur la ville. Ça arrive à les blessés. Okay? Les blessés même pas qui ont diminué. Donc moi-même, j'ai décidé. Pour camper, pour ne jamais marcher dans le pays. Et ça me dit tout le monde, chaque nègre, il faut avoir une femme qui faut une histoire. Et cette histoire, on a continué, et pas décidé d'abandonner, ni pas abandonner. Parce que citoyen, devant la justice, il est autant de fois si besoin. On a rappelé, c'est juge Alduniel Dimanche qui a arrêté ancien député dans le cadre de dossier corruption dans le Centre national équipement, CNE, dans le mois de janvier passé. Cependant, groupe civil armé qui a évolué au village des dieux, rentré sur le capital là, mandé l'argent contre libération ancien coordonnateur sécurité président Jovenel Moïse, Jean Laguel Civil, après nek exam, t'es fin forcé de quitter prison civile Port-au-Prince-là, d'après sa avocat, victime, nan, maître Renaud Georges, fait qu'on est. J'aime bien nous l'appeler, M. Fatap Soti, parce que j'aime bien dégager Soti. J'aime bien dire Ariane Tetli, commissariat pour le prince. Et peut-être Soti qui est de nek. Qui venait se protéger de la mer. Et puis, il y a opté. Et puis, il y a un paquet de monde qui a couru le sorti. Et puis, il frappe avec mon Dieu. Il plonge le dîme. Il laisse la prison, je vais aller, l'aller, et puis devant. Et puis, il y a repris encore. Et puis, il y a mené de nos côtés. Parce que, je me suis expliqué, la première fois, il y a mené de nos côtés. Le village a dit qu'il y a un grand caille dans la route, quand il est descendu, il est entré avec lui, un bel caille. Et puis après ça, il est entré avec lui. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il dit, mais je vais aller, je vais aller dans le monde, je vais aller dans le monde, je vais aller dans le monde. Il dit, mais je vais aller. Finalement, il m'a demandé l'argent pour l'argent. Quand il m'a dégagé, il m'a dit, il m'a dégagé pour le fond. Ça m'a demandé, même si je vais faire tout. On va faire tout. Ah, on va faire tout. Je vais faire tout. Je vais faire tout. Je vais faire tout. Dégagez vous nous bagarre parce que monsieur, nous venons de l'UO avant d'un coup d'appel. Dégagez-vous, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais vous dire que vous avez 23 carottes. Nous devons dire pour aujourd'hui, mercredi 27 mars 2024, là, qui c'est tout, mercredi 5, activité, vous avez fonctionné timidement dans Port-au-Prince.
Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour VOA Créole. Et bien, dans le dossier politique, certains regroupements, organisations sociopolitiques en Haïti ont fait pression sous conseil présidentiel transition pour presser choisir un président parmi eux, Renan Toussaint, depuis Port-au-Prince. Dans un moment éminent, personnalités différents, regroupements, structures sociopolitiques choisis pour former conseil présidentiel transition pour qu'on entende sous choix un parmi eux pour présider structure ça. Plusieurs leaders, coalitions, organisations sociopolitiques, parmi eux, activistes politiques, Rosemont Jean, qui a dirigé Front National Organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique, Founod, avec LAP, Jaffin, avec Jean-David Jean-Baptiste, respectivement porte-parole, avec délégué regroupement Force Progressiste pour Émancipation d'Haïti, RISPED, exprimé inquiétude par rapport à l'acteur qui enregistré dans le processus qui a dû aboutir à l'installation du Conseil présidentiel de transition. À conseil ça, pour que vous preniez une décision, pour une alternative entre vous, justement pour que vous dégagez le consensus pour le jeune président. Par rapport avec le consensus large, vraiment large que tout le monde a cherché, vous avez fait appel avec tout le secteur dans la vie nationale là, pour être capable de voir un représentant dans le Conseil présidentiel là. Activiste politique Rosemont Jean dénonçait façon acteur haïtien a géré crise politique haïtienne à la communauté internationale, notamment CARICOM, pendant le souhaité Haïti reprendre droit souveraineté. La question de nommer président, c'est une question de souveraineté, c'est une question haïtienne. Et nous comprenons, nous avons choisi, nous avons choisi souverainement, nous choisissons. Est-ce que c'est une commission, est-ce que c'est un monde, est-ce que c'est une cassation de valeur, ou du moins, est-ce que c'est un conseil de trois mounes. C'est nous qui prenons décision, et puis nous communiquons quelle décision nous prenons à pays, à Minou, à organisation régionale, organisation hémisphérique qui est dans la zone. Mais ce qui a passé là, c'est que la CARICOM, les États-Unis d'Amérique, utilisent CARICOM pour prendre place nous comme haïtiens, pour prendre place nous, pour facialiser, pour détruire, pour santé capable de souveraineté nous pendant nos pays qui ont 200 ans d'histoire. Pendant ce temps, même conseil présidentiel transition continue de travailler sur un protocole d'accord entre partis concernés côté Montana et famille Lavalas proposé pour que nomination président conseil là soit faite après installation structure ça. Un dossier n'a suivre. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Et par rapport à conseil présidentiel transition, il y a un docteur Fritz Bisseret qui est initiateur congrès national Wanamet pour Nouvelle Haïti. Et bien, l'opté pour choix, il y a un juge dans la cour de cassation d'après résolution mouvement. Résolution ou encore le recours à la cour de cassation à partir de sa résolution, bah là, il y a un plan de manière à ce qu'il soit capable de finir avec au moment opportun. Ils se sont mis à côté, n'est-ce pas, de ces éternels ennemis d'Haïti et au même temps pour être capable de joindre sur le plan national des secteurs, des hommes, des femmes dénaturés, n'est-ce pas, pour servir avec eux parce que pour maintenir le pays, n'est-ce pas, parce que nous sommes mauvais élèves, nous sommes mauvais exemples pour l'humanité, les deux mauvais exemples dans le bon sens parce que nous avons fait ce que les autres n'ont pas pu faire et nous avons donné le mauvais exemple parce que nous avons porté d'autres pays, n'est-ce pas, à reconnaître, n'est-ce pas, ça où nous sommes de liberté, d'égalité, de fraternité. Et nous avons fait, n'est-ce pas, de notre légende, l'union fait la force, chaque fois que nous voulons appliquer l'île, eh bien, le complot fait que justement, il faut que vous divisez le peuple, ça, divisez nous pour nous capables de côté arriver là, pour mettre nous dans tout que nous y a là. Et au moment où on a parlé là, il y a encore des hommes et des femmes qui acceptaient pour rentrer dans le conseil présidentiel alors que vous connaissez que, premièrement, c'est déjà une catastrophe annoncée par l'histoire et aussi une catastrophe annoncée. Pour sa crise, nous avons représenté jeunes aujourd'hui. Aux jeunes des hommes et des femmes qui acceptent de faire. Okay. Parce qu'ils ont souffert de président titre, ou bien parce qu'ils voulaient jouer, parce que c'est le pouvoir, nous connaissons comment ça pouvoir signifie en Haïti. Donc, alors que justement, c'est quand nous parlons de transition politique, pour nous aller, n'est-ce pas, vers des élections, aller vers une nouvelle Haïti, nous connaissons que, à faire qui doit intéresser par des élections, c'est encore les partis politiques, voici que jeunes aujourd'hui, ils ont mis avec, n'est-ce pas, des groupes de l'extérieur pour être capables, n'est-ce pas, et bien à la fois juge et parti. Nous pensons que c'est pas sérieux. Et nous pensons qu'il faut que nous dénoncions ça, même profiter de l'antenne en tout, Bélisère, pour nous capables de dire que lançons appel à M. Gamsaro, naturellement, malheureusement, son bon négabab, le seul fait que nous avons eu derrière lui, pour nous dire qu'il est temps que nous saisissons. C'était Dr. Fritz Bisseret qui est initiateur comme congrès national Wanamet pour Nouvelle Haïti. Sur programmation, nous pour capable suivre l'intégralité interview ça que Dr. Bisseret a accordé VOA Créole. Toujours concernant le pays d'Haïti, plus passé 17 présumés bandits perdus la vie dans diverses opérations. La police menée dans environ 30 jours qui se passent là-haut. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Pour Pipiti, 17 présumés bandits perdus la vie dans diverses opérations. La police la menée, sorti 29 février pour arriver 26 mars qui se passent là. Comme bilan partiel, la police saisit 17 âmes. Amio, M4, Uzi, fusil de calibre 12, AK-47, plusieurs pistolets de calibre 9 mm, plusieurs chargeurs et cartouches, et un véhicule confisqué. Gagné pour Pipiti, 17 présumés bandits qui blessés mortellement suite à échange de tirs avec la police. Amio, Macandal, ainsi connu. Également, N. Saint-Julmé,
qui continue que les Tigreg. En plus, autorité a saisi 17 armes à feu et a saisi tout un véhicule pendant intervention sa yo dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Les armes à feu qui saisi yo, gen la dayo fusil de calibre 12 AK-47 M4 selon Gary Desrosiers. Dans un moment difficile, nous avons traversé depuis dernières semaines sa yo, sorti 29 février 2024 et aujourd'hui, côté la police fait face déjà à plusieurs bandits armés. Côté bandits sa yo, fait plusieurs attaques déjà, exam, sous institutions publiques et privées. Également à quartier côté population paisible à vivre. L'ENA a considéré attaques répétées qui fait sous palais national, attaques qui fait sous deux prisons, à savoir prison civile de Port-au-Prince et prison civile de la Croix des Bouquets, et suite à attaques ça les provoquer évasion. Attaques qui fait sous commissariat, sous base Simo, sous base Boyd, aéroport. Attaques qui fait tout sous école et académie police là. Parallèlement, France LB, directeur général de la police nationale d'Haïtien, passe l'ordre à responsable diverses unités et spécialisées pour renforcer l'opération contre gang yo, dans l'idée pour permettre à citoyens de vaquer librement à l'occupation. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis dans le pays d'Haïti toujours, et opération évacuation a continué, c'est comme ça, plus passé 170 Français et 70 autres étrangers qui étaient payés grâce à un vol par hélicoptère la mais française. Valérie Saint-Louis, gain détail. Pays la France te voye hélicoptère Lio en Haïti pour évacuer quelques citoyens Lio, permettre de quitter pays à depuis week-end passé. Selon sa vidéo et photo que force l'armée française a été publié, il y a mardi 26 mars. Pendant que vol commercial pour aller et sortir dans la capitale Port-au-Prince suspend, opération ça a été permettre d'évacuer citoyens français Lio, qui pire vulnérable et qui voulait quitter pays à un moment que violence gagne a intensifié dans pays, surtout dans la zone capitale. Il y a environ 1500 citoyens français qui enregistrés dans l'ambassade de la France en Haïti. Il y a eu comme une montée exponentielle en fait de la violence avec des attaques de gangs à différents endroits. Nous sentions vraiment sous une menace croissante et nous sommes vraiment très reconnaissants que la France ait pris la mesure de mettre en place cette opération pour nous donner l'option, vu que l'aéroport est fermé, de pouvoir évacuer. Opération évacuer citoyens étrangers, sorti quitter pays a été augmenté dernièrement depuis que avenir politique pays a été commencé menacé à gang améo qui ont même arrivé élargi contrôle sous capitale là à plusieurs autres côtés. États-Unis et Canada, c'est parmi pays qui ont commencé évacuer quelques citoyens depuis semaine passée. Conflit avec violence gang en Haïti, tué plusieurs milliers de monde et puis déplacé plusieurs centaines de milliers d'autres monde. Moi ça, pays a été fait face à une vague attaque violence parmi eux, attaque sous commissariat police à aéroport international. D'après sa média locale, il a rapporté gang améo a mettait du feu dans au moins 100 machines qui étaient stationnées dans différents rues à garage n'importe Prince dans le week-end qui s'est passé. On va parler des machines qui brûlent parce que le gage là t'es fou la machine. Tu vois, tu bâtis ça et tout ça qui brûle là, les machines qui étaient là. Attaque bandit Améo t'es visé plusieurs dépôts là avec meubles ensemble avec un gros building qui gagne au tribunal là-dedans selon sa média ou t'es rapporté. Atmosphère de blousaille ça, attaque armée, gros coup de zame capturé dans la capitale là, créé une lapirèse dans mi-temps ressortissant étrangers qui ont même décidé de ramasser paquet, évacuer, quitter pays. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. L'autre information que nous portons pour vous, et bien, faut qu'on ait équipe gang vivant sans mieux, yo même jeudi à là, yo mettez du fait dans ancien local l'école normale supérieure qui était créé depuis la date 1947 là, et bien, sous président Dimasse estimé que l'école c'est là lui-même, l'été créé Ri Monseigneur Guillou en Babab Palais National là, et bien, jeudi 28 mars 2024 là, et bien, enseignant parmi ancien entité yo même université publique pays a les même l'état qu'on est et ben c'est là qui formait professeur pour études secondaires à université yo ancien local ça après la mort professeur Grégory Saint-Hilaire et ben yo t'ai quitté local là à cause insécurité a yo normalien supérieur c'est une ressource rare qui donc en pile tinèg ghetto c'est grâce avec ens yo même yo émergé et puis sorti tête yo nan année 60 yo et bien ghetto yo même yo te kondi ens se manger tout kwit pour petit pauvre yo et bien zefeis yo même yo tande moun a parler de révolution et bien y a passé concept là nan la boue tout ça kap servi classe pa yo même y a boulé et bien détruit et bien porte-parole vivant ensemble qui c'est barbecue tout le monde connaît qui c'est Jimmy Cherizé alias barbecue li dit dans une vidéo et bien c'est moun tête grain yo qui premier ennemi et bien l'a touyer yo l'a détruit yo avant le river sous oligate c'est ça barbecue lui-même li fait connaît nèg sorte qui pa gen ni lecti ni écriti et bien si yo pa gen directif et bien pas capable gen rien qui bon et bien
c'est désolation complètement avec calamité. Et bien les équipes moun a boulé vieux garage pauvre vieux pauvre malheureux gien garage la boulé l'hôpital l'école pour pauvre té capable aller moun qui manquer moyen touyer madame Sarah même qui saute chercher la vie ou bien qui pral chercher la vie ou et bien pour parler de révolution et bien c'est sauf ni saint ou même moun kap fait révolution tellement charmé peuple li et bien li devant dans toute action et puis peuple là même li toujours kon nan dol li pa kon boycotter peuple la révolutionnaire ça yo même depuis yo de yo mas yo kite paquet yo sous tête yo et bien y a boisé parce que révolution li même la prache trip pour yo et bien cassette caille avec révolutionnaire par contre gain dossier si là n'a rappelé toute révolution qu'on a fait nèg yo même c'est prend zam yo attaquer palais ou bien attaquer gouvernement et bien yo fait ça a fait pas marcher bouler tout petit bagage qui gain dans la rue dans Jean barbecue yo même y a fait et bagage yo déjà fait yon déclaration tête chargée quand il fait qu'on est si ou qu'elle est là des saline dans temps t'a mené bataille là te gain WhatsApp te gain réseaux sociaux et bien ou t'a pour nous t'a toujours été esclave parce que tête grenio yo même c'est eux même qui baille information c'est ça déclaration barbecue al fait qu'on est et bien l'a attaquer tête grenio avant même li attaquer nèg qui gen cob en l'air c'est une déclaration tête chargée pour un pile monde tout qui ouais c'est une déclaration qui a détruit peuple et bien qui pas gagne rien pour lui avec dossier révolution al ka gagne porte non mais révolution c'est pas comme ça li fait et bien Port-au-Prince bagaille là vraiment compliqué là pour un pile monde yo une situation ça rien compliqué là et bien un pile monde a fait proverbe créole là passé qui veut dire c'est long en malé pour qu'on qui est qui en mou pour voir les cadavres qui gaillent dans Port-au-Prince et bien c'est chien eux même cap chanter enterrement moun sa yo pour aller business qui déjà pillé pour avec aéroport qui ferme en pile l'hôpital de chapier et tout et bien pile pharmacie pillé et bien gagnon paquet côté timoun yo même yo poko gain pour des mois l'école nan yon année qui déjà presque fini année scolaire ça qui ta doit fini nan mois juin et bien li presque bout en pile ti moun yo pa geta fait même des mois sous ou bien sous ban l'école pardon commissariat attaqué boulé pillé et puis pays a li même li dit Haïti 16 millions yo poko jam jige li important pour ta aider le sorti nan crise si là que nous même nous trouver là génocide y a mitonné pour nous encore et bien fait là lui-même li toujours là et bien ça qui pi triste dans situation ça que pays là même là connaît hypocrite caressant et bien yo même c'est rat mort de souffler oui tant qu'il a parlé des paysans mio pourquoi il là yo jeune si pour apatride petite pays là et bien pour ta aider projet cynique ça même peuple là doit prendre responsabilité et songer tout c'est traite les n'a regarder même pays les États-Unis Ukraine ni là qui non bataille Ukraine pas besoin trop aide parce que là aussi même l'attaque Ukraine li pas bay vague vite tout temps ta gain aide l'a fait là aussi attaquer plus vite parce que là aussi selon président Vladimir Poutine c'est une façon pour le capable gain contrôle voisinage et c'est pour ça l'a fait et même gens tout sous ta Haïti rentrer là aussi droite donc capable voir nous un gros problème avec américain et bien américain était capable mettre l'ordre pas gain l'ordre qui jamais mettre yo la gain nous pour nous fini assemblée peuple a disparaître même pour capable sentir yo à l'aise parce que là la, vraiment compliqué là. L'on regarde gain au moins 8 cadavres qui rapporté et bien yo remarqué bon ministère santé publique dans zone Maïgaté dans commune Taba Delma Boudon et bien jeudi 28 mars 2024 là la personne pas arrivé connait qui un monde ça même yo perdu la vie yo mouri et bien yo même yo dans la rue pas gain rien qui fait pas gain aucun monde qui t'a passé pour ta même lever cadavre cadavre simplement arrêté dans la rue à côté pas gain rien qui fait pourquoi elle la pays vraiment tombé dans un trou boum boum que en pile monde pas souhaité mais pourquoi elle la pas gain li pas un secret pour personne pays lui-même li déjà tombé là-dedans. L'autre information faut qu'on ait Fédération protestante d'Haïti pas d'accord causer conseil 9 membres présidentiels diverses organisations politiques avec société civile là yo pas suspendre dénoncer conseil présidentiel transition hein, même gens avec Fédération protestante haïtienne les mêmes qui c'est FPH et bien qui montrait clairement désaccord li contre conseil ça hier j'ai dit qu'il était 27
pardon hier mercredi 27 mars 2024 là dans une conférence pour la presse, et bien FPH profiter occasion ça pour lui manifester désaccord li avec l'idée pour un conseil présidentiel transition avec 7 membres là-dedans. Fédération protestant invité population prend responsabilité li pendant nous pas négliger solidarité internationale là, surtout ça yo même qui intérêt peuple haïtien et structure évangélique là qui c'est Fédération protestant d'Haïti fait connait. En plus Fédération protestant continuer pour les dix peuples haïtiens devant compte Jonti Malouksa, et bien à côté moun a mouri tout partout dans pays à cause de l'école qui obligé fermer porte tout business moun cap craser ak boulé obligé mettre tout moun nan koui nan pays nan dernier jour sa yo la, et bien Fédération protestant d'Haïti ses représentants qu'il t'y réformé yo présenté sympathie by famille tout monde qui t'a victime yo, et bien quitte les pauvres, quitte les riches, quitte l'ité l'église, quitte les pat l'église, parce que je dis à personne moun pas épargné dans domaine insécurité à même qu'a ravagé pays d'Haïti. Pour ajouter plus instances religieuses devant la presse, eh bien, même gens avec plusieurs partis politiques, avec juges et puis membres de la société civile là, pour Fédération protestante d'Haïti, eh bien, pour yon choisir premièrement un juge dans la cour de cassation parmi tout l'autre juge, yon même pour venir président pays là, eh bien, deuxièmement, un président dans la tête collée avec toute force vive dans pays là, pour yon choisir un premier ministre et puis dernièrement, tout neuf membres sa yo cité a fait partie gouvernement unité nationale. Et c'est ça représentant protestant pays d'Haïti, yo même yo fait connait nan yon note pour elle là yo parler tande dossier qui gen pour avec dossier conseil présidentiel qui ta droit gen neuf membres. Conseil ça tout son créé. Algo moi Jean-Charles Tabdil créé li rentré là-dedans, mais créé si là lui-même pour en pile monde yo déjà ouais, li pa gen aucun fric et lui-même l'a porté pour pays d'Haïti. La police maré dans Saint-Domingue, et eh bien vice-consul dominicain lui-même qui travaille dans pays d'Haïti, nouvelle qui nous te baou côté la police te mette mandat arrêté derrière, eh bien vice-consul si là pour dossier viol, et eh bien après mandat autorité dominicaine lui-même yo te mette derrière à cause viol sous timon, et eh bien la police nationale en République dominicaine annoncé vice-consul Rafi Joel Pelalta lui-même li rend tête li hier mercredi qui était 27 mars 2024 là selon El National qui c'est un journal République Dominicaine. Après ça la police était tout arrêté suspect. La police fait connait Pelalta Olguin qui gagne 31 l'année rivé arrêté sous l'ordre mandat arrestation numéro 601-01-2024 et bien EDM 00123 après l'été fin pour tête lui-même vin devant direction régionale enquête là qui c'est du crime la police San Francisco de Macolis, et bien d'après information journal El National by sous dossier ça, et bien pendant yo fait connait tout la police dominicaine a gagné pour yo même yo transférer suspect dans juridiction qui doit gérer dossier si là dans bon pas ministère affaires étrangères dominicain yo té annoncé que hier mercredi a même yo suspend activité diplomatique là pendant yo même y a mené enquête sur les décisions ça prend assez après autorité yo découvri vice consul Rafi Joel lui-même li gagné un gros accusation viol sous tifi et bien qui gagne pipiti que 16 l'année sous dol nan moment si là suspect lui-même li accusé parce que li ta violé yon ti moun sa gen environ yon mois nan communauté Matalalga nan San Francisco de Macolis d'après notre ministère by journal Listen Dialio lui-même li rapporté vice consul Rafi Joel Pelalta Olguin nan poste sa lui-même li te occupé depuis 22 août 2021 après président Luis Abinader te nommé, et bien selon Listen Dialio c'est procureur et puis coordonnatrice unité violence sous genre de délits sexuels ça lui-même avec domestique Sandra Sierra Difo lui-même qui confirmé enquête ça a tamé sous diplomate là puisque yo fait connait que toute révélation ça yo fait c'est après plainte yo te recevoir pour consulat lui-même dans un mois avant ça, et bien c'est comme ça journal là pour quoi là, et bien vice consul si là lui-même li déjà en bas code en République Dominicaine pourtant yo fait suite nécessaire
sous dossier yo même yo accusé comme quoi l'état violé yon miné nan pays qui c'est pays République Dominicaine. Yon représentant américain Maxwell Mandé encore eh bien jodi à la même qui c'est jeudi 28 mars 2024 là pour administration Biden nan prolonger TPS haïtien yo représentant profiter mandé gouvernement Floride là les même Ron DeSantis eh bien pour li suspendre prend haïtien pour jab et puis traiter haïtien tant qu'au monde eh bien Haïti c'est départ lié avec nous si nous voulons nous t'es capable faire yon seul bagaille là pour li qui donc tu dois faire un bagaille pour nous eh bien c'est ça. Yon représentant américain lui-même qui c'est Maxwell force lui-même li mandé avec administration Biden nan yon façon pour prolonger TPS yo pour haïtien yo même pour yo capable assurer yo puis bien nan pays ici là n'a pas rappelé élection là qui doit faite et bien côté qui va gagner tout qui le Donald Trump là en face président actuel là qui c'est Joe Biden côté pour le tout qui connait le 5 novembre 2024 là cap venir là et bien Biden lui-même li c'est nèg qui sous pouvoir et bien Trump lui-même li c'est adversaire favori qui déjà pral paraître en face Biden n'a pas rappelé Trump lui-même li toujours fait journal depuis le parler il fait qu'on est immédiatement le président il va le déporter tout haïtien c'est une raison tout qui fait en pile monde a demandé pour Biden lui-même ni ta renouveler TPS haïtien avant même président Trump ou bien nous pas dit président Trump avant même élection en fait si toutefois Biden t'a perdu c'est à Trump qui t'a gagné pour empêcher Trump lui-même il t'a fait ça le dit en parlant de Trump n'a pas connait et bien Trump lui-même li a cherché une nouvelle forme là ou bien une nouvelle source financière pour être capable faire l'argent côté les pib pop bible et bien bible ça lui-même qui Trump publié a qui c'est God bless America et bien bible si là lui-même li fait et bien bible la coûté yon affaire de $60 américain et bien li dit lecteur même yo capable aussi consulter constitution américaine et bien déclaration ça lui-même li te fait avec un certain nombre et bien plusieurs autres documents que Donald Trump lui-même li mettait de yo dans pays les États-Unis toujours dans dossier qui gagne pour avec dossier pays les États-Unis n'a pas connait et bien d'après l'ONU le même côté sorti janvier 2024 là pour arriver 22 mars qui sont passé en même 2024 là bandi eux même yota déjà touyé yon affaire de 1554 moun dans pays d'Haïti et après 1554 là gagne environ 826 l'autre même qui sorti blessé et bien 1880 kay déjà brûlé selon rapport et bien corruption, mauvais gouvernance, impunité, c'est ça qui t'a caractérisé Haïti dans dernier jour ça là selon ça l'ONU lui-même li fait connait côté violence là li augmenté dans pays d'Haïti pour bandi qui t'a touyé déjà janvier septembre pour vivre moi mas là 1554 moun et bien 826 qui déjà blessé là-dedans 1880 qui déjà sorti brûlé et bien pour seulement vivre moi mas là pourquoi il là vraiment compliqué et c'est à toi nèg examen eux même qui va être tout nous vivre ensemble là c'est à toi y a fait gros attaque côté y a metté pays à lui-même tête en bas ils font chaque jour c'est chaque jour tant de nèg yo a attaqué bouler écraser piller toutes les ressources nous sommes capables de gagner, qui sommes capables de quitter nous, eh bien, nous n'avons pas attendu, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas rentré là-dedans, nous avons mis des défis, c'est piller, c'est bouler, faire nous, tout couler. L'autre information que nous portons pour vous, nous allons directement dans le conseil présidentiel là, même qui mettait des documents sous façon de pral opérer pendant tant l'IA qui donc après notre bio suivi accord Montana avec famille Lavalas là yoté sorti na date qui était 25 mars qui sont passé à là pour mandé défini mode opératoire conseil présidentiel là et bien hier mercredi 27 mars 2024 là mon bio yo même conseil présidentiel ça yo finalisé un document sous organisation avec mode opération lio là dans le gagné yon accord public transparent entre secteur qui pi impliqué dans processus là et bien conseil présidentiel là yo même yo déterminé pour soulager souffrance peuple haïtien qui prend dans nas mauvais gouvernance violence de toute qualité qui donc mépris sous aspiration li ak besoin li yo d'après ça yo fait connait à travers communiqué conseil présidentiel là. Eh bien, yo fait qu'on est pendant situation difficile pays a lui-même l'a augmenté par rapport avec pillage et puis du fait nan bien malheureux et bien conseil présidentiel là lui-même li considérer action ça comme
alternative et bien ap vinn pote yo ensemble réponse avec problème sa yo nan tête ensemble avec conseil présidentiel la ap exité yon plan pour restaurer l'ordre public avec démocratique à travers rétablissement sécurité vie avec bien population sous la remiseli réaliser élection libre avec toute l'autre réforme nécessaire pour progrès nation pour ajouter conseil présidentiel transition communiquer tout l'ouvri ça et bien membre continuer pour li informer population diaspora haïtien avec communauté internationale là pour préparation li déjà fait pour rentrer en fonction officiellement pendant ce temps nous profiter rappeler divergence dans moment yoté organisé élection en tête conseil présidentiel là nan choix président conseil si là côté quelques acteurs demandé pour yoté reporter li nan 3 jours plutôt côté au fait qu'on est pays à nan yon kalfou important qui mande unité c'est une obligation pour nous toutes mettre tête nous ensemble pour résoudre crise là et puis pour nous vivre établi bien-être tout le monde et puis yon pi bon avenir pour pays nous pour finir avec communiquer si là yon l'autre côté nous parle faut qu'on est dossier Cholse Sansi les mêmes qui sorti dans prison et bien gè bande parler en pile qui fait là tout de suite après Cholse les mêmes li ta fin libéré dans prison après te kembe monsieur Cholse Sansi lui-même qui c'est ancien président chambre des députés pays d'Haïti et bien il était arrivé une libération pendant journée hier là et bien ça pas jamais suspend fait parler en pile qui gagne dans république là pour Jean Cholse lui-même il t'a libéré t'a assemblé sans pile comme Cholse Sansi lui-même li ba juge Belab yon façon pour voir comment il était capable joine libération li après il était metté dans prison n'a rappelé il était mené li nan prison et bien c'est par rapport avec unité lutte contre corruption qui c'est ILCC yo même yo té sorti nan mois novembre 2023 qui passé à là et bien sous équipement CNE yo juge là lui-même li té voyé 36 mandats derrière parlementaire tant que Willow Joseph Clovis Obas François Maleb Pierre Belange avec un pilote encore et bien pièce moun sa yo même yo pas présenté et bien Cholse Sansi lui même qui t'assemblé ta innocemment là et bien sortant de là yo metté Cholse en bas code et bien il passé environ 2 mois en prison pour il là il fait une libération mais c'était juge Aldiniel qui t'ai metté en prison et bien juge qui libéré là lui même c'est pas même juge là pour il là ça fait pile par en pile et fait connaître gros l'argent qui t'a déjà bail pour Cholse Sansi lui-même li ta joine libération regardez nous c'est fin grand monde c'est tout dans prison mais dit cheville blanche net qui donc depuis ou pas qu'un bédin et tout et vont te mettre grand monde ou te mettre passer dans mes poste qui gagne dans pays et bien ou pas écarter possibilité pour aller prendre prison malgré pays d'Haïti nous pas ba nèg yo prison hein ou ta do prendre par qui différemment avec l'autre pays les nèg la fondi autres yo prendre yo pour avec bien rapide dans prison Haïti on te en béré nèg yo mais de toute façon Cholse lui-même li pas de rien dans Tibet ça il te une bon affection côté li déjà passé plusieurs temps dans Ebao quoi li la prison écrasé li pas de sortie et bien juge Belab lui-même li arrivé libéré malgré condition pas trop clé avant fait qu'on est c'est parce que état santé le pas de fin bon et bien pile information gars là fait qu'on est c'est gros somme l'argent qui t'a arrivé dépensé en façon pour Cholse li était capable quitter pénitencier national malgré le pas pénitencier national plutôt pour être capable quitter prison bien pour t'a lever sanction que l'état te gagne sous doule pour dossier ILCC que Michel t'a foué mais là-dedans. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous pouvez faire ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, une famille, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre.
Eh bien, n'a dit au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.